La fèvre à moi, s'il vous plaît. Un peu de chien ce soir, on y va. Hey, hey, le tout nouveau. La famille, on tape, s'il vous plaît. Cette flamme qui brûle en moi, c'est la fièvre de toi qui me consume à chaque fois que tu aimerais de moi. Tu es tout pour moi, tout, tout, tout. Cette fièvre qui monte en moi assaillit mon corps. Le besoin plus fort, mon cher, qui cette mélodie. Comme un cœur tremblé, pourquoi voici ta main qu'à faire m'oublier. Qu'est-ce que je dis si la tête qu'à moi qu'à vie. Alors c'est la fièvre. Oui, mais la fièvre. Tu es la femme de ma vie, la femme de ma vie, la femme de ma vie. J'ai la fièvre de toi, je veux que ce soit toi. Celle de ma vie, j'ai la femme de ma vie, la femme de ma vie, la femme de ma vie. Tu es la femme qui brûle en moi quand je pense à toi. Si je retrouve donc nos amis, je l'indiquais tout à l'heure, qu'ils sont nombreux, parmi lesquels il y a plus d'artistes musiciens, il y a aussi peut-être des conteurs, on va découvrir tout ce monde. Mais auparavant, je vous propose d'écouter une des organisateurs, ce serait parfait que présentez-vous et dites-nous quel est votre rôle essentiel dans cette organisation ou dans ces associations, parce que j'ai bien compris qu'il y avait d'autres associations associées. Alors, bonsoir.
Cette organisation était menée de front par l'association Kidzi et les artistes associés. Les artistes associés, c'est une association, loi 1901, qui a été créée pour défendre les droits et intérêts des artistes. Donc c'est un gros travail de management, de booking, de gestion juridique aussi pour ces artistes. Je leur dis merci d'avoir été présents, d'avoir répondu à la cause, parce que quand on a du cœur, quand on est parent, on peut se donner à fond pour une cause pour les enfants. Voilà. Surtout quand les enfants sont victimes de guerres incestines entre les adultes, voilà, de tribus, on ne sait pas pourquoi. Pardonnez-moi de vous interrompre. L'association existe depuis combien, il y a combien d'années c'est... Alors, l'association a 14 ans et fêtera son 14e anniversaire fin juin. Je rappelle que la soirée spéciale, pourquoi très spéciale? Parce que précisément, c'est une soirée organisée, je dirais, à un gala pour soutenir les orphelins de Tanzanie. Les orphelins, ils sont aujourd'hui un peu plus de 30 000. 3 000. Il y en a certainement plus. Certainement plus, mais dans l'orphelinat, nous en avons 3 000 déjà, gérés par un pasteur. Donc c'est lui qui s'occupe d'eux, c'est lui qui leur donne... le nécessaire. Pourquoi le pasteur? C'est lui qui a même d'être sensible? Ben non, parce que ses enfants sont immigrés du Rwanda, de pays limitrophes. Pardonnez-moi, ce pasteur, il est tanzanien? Il est tanzanien, il est éducateur à la base, avant d'être pasteur, voilà, c'est une autre tâche. Mm-hmm. Mais il est éducateur d'enfants. Et quand ses enfants sont arrivés, il n'a pas pu les laisser dans la rue comme ça. Donc il les a secourus avec les moyens qu'il avait. Il a construit une petite maison, une petite bâtisse pour recueillir ses enfants. Maintenant, notre action, c'est que ces enfants grandissent, ils deviennent adolescents. Donc notre but aujourd'hui... Des besoins supplémentaires. De construire un dortoir pour les filles, un dortoir pour les garçons. Et c'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui. C'est pour donner vie un petit peu, un cœur, un sourire, une main tendue vers l'avenir. Parce que ces enfants, ce sont les hommes de demain qui vont construire l'avenir. Voilà les enfants, ça bosse. Allez, on y va. Yep. Encouragez-les, c'est bon. Comme ça. When we fuck you, me never never see a girl when me love so. Cocky top, yeah, take time. Je veux demander de vous encourager sur vos applaudissements, s'il vous plaît. Looking at me eye, looking at me eye, yeah. Merci les enfants, merci sur vos applaudissements, s'il vous plaît. Me from me bomb, she made me take off the boots, me bomb. Merci.